Le ministère de l'Énergie compte lancer l'appel d'offres relatif au méga projet solaire photovoltaïque d'une capacité de 4025 MW dès fin mars. Le projet a été présenté hier à Washington par la compagnie de l'ingénierie de l'électricité et du gaz, filiale du groupe Sonelgaz, lors d'un forum mondial sur les énergies renouvelables en Afrique. Emel Bouarba. Alternative économique et écologique. Les énergies renouvelables représentent un enjeu important pour l'Algérie qui mise sur le lancement de nombreux projets dans le domaine. Un exemple, le mégaprojet solaire photovoltaïque d'une capacité de 4025 MW, considéré comme l'un des plus importants en Afrique. Il a été présenté vendredi par la compagnie de l'ingénierie de l'électricité et du gaz, filiale du groupe Sonelgaz, lors d'un forum mondial sur les énergies renouvelables en Afrique, organisé à Washington. Le ministère de l'Énergie compte lancer un appel d'offres à investisseurs à la fin du mois de mars ou début du mois d'avril, qui prévoit aussi la création de plusieurs sociétés chargées du financement, de la mise en service des centrales solaires ainsi que la commercialisation de l'électricité produite. Le projet en question, scindé en trois lots de 1350 MW chacun, comprend deux parties énergétiques et industrielles et prévoit la construction de plusieurs centrales dans les hauts plateaux et le sud du pays où le potentiel solaire est important. Les centrales solaires seront implantées dans plusieurs wilayas du pays. Il s'agit notamment de Béchar, El Oued, Ourgla, Biskra, Djilfa et Msila. La capacité moyenne par centrale dépassera les 100 MW. D'autre part, et s'agissant de la partie industrielle du projet, il est prévu la construction d'une ou de plusieurs usines de fabrication d'équipements et de composants de centrales photovoltaïques. L'objectif est d'asseoir une base industrielle dans le domaine du photovoltaïque. L'entrée en service de cet ambitieux projet va aider à réduire sensiblement la consommation de gaz utilisée dans la production d'électricité en Algérie. Ce mégaprojet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables qui permettra la production de 22 000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2030.